Tu sais où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors, on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est... compliqué. Et ton frère? Ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Eh, hey, tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non! Hé, hey, un moulin! Ouais. On va traverser par là. Wow. Oh, c'est quoi ces oiseaux? Des canards. Oh, comme ceux qu'on mange? Oui. Et les canards mangent des grenouilles. C'est la vie, Hugo. Ça va? Je vous dérange pas? Allez, viens. Mieux vaut ne pas rester là. Il est toujours... comme ça? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Le premier au moulin a gagné. Hé, moins vite! C'est fermé. Laisse-moi faire. C'est ouvert. Elle est géante, cette roue. C'est pour écraser le blé. On doit arrêter la roue. Et comment on va l'arrêter? Amicia, on va trouver un moyen. Le courant diminue, mais c'est pas... Vas-y, Hugo. Oui. Ça marche! Mélie, tu peux t'en charger? Bon, on va voir si ça tient. C'est pas aujourd'hui que je prendrai un bain. Arrête. Hugo, tu veux bien t'en occuper? Tout de suite. Le pont-levis est abaissé, princesse. Tombe pas à la flotte. Pas dur. On a battu le moulin. Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira, bien sûr. T'as l'œil. Merci. Viens, Mélie. On va essayer de monter. Ouais. Et moi, on revient vite. Promis. D'accord. Ouais. Il reste pas grand-chose non plus. Alors, quoi? Un fer à cheval. Waouh. On est riche. Même si on n'est pas riche. Les chauffeurs dirigeraient le monde. Pas mal. Pas mal du tout. Essaye de m'impressionner ou quoi? Hein? Non! Bon, allez, venez! C'est joli ici.
Ça sent la terre. L'aqueduc. Lucas est là-bas. J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Oh, Micia. Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs vrais? Des gens habitaient ici? Oui, mais ils sont partis. Où ça? Ailleurs. Un peu comme nous? Oui, un peu comme nous. Oh! Tu sais ce que c'est? Une aubépine, je crois. Personne l'aime à cause des épines, mais elle est bonne pour le cœur. Tu en sais des choses. Maman m'a appris. Alors, tu m'apprendras? Et toi, tu m'apprendras à utiliser une fronde? Marché conclu. Qu'est-ce que vous fichiez? Juste un détour. Amicia. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Viens. Oh. Hugo, Hugo, regarde-moi. Ça recommence? C'est ta tête, c'est ça? Ça fait comme une chose qui grossit dedans. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang. Toi, t'as rien? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Amicia. J'ai peur. De quoi, Hugo? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. Ah, c'est ça ta maison? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça? Comme des gibiers de potence, tu veux dire? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça? Noble? Amicia! Ça veut dire quoi, ça? J'ai froid. Noble? Regarde-nous bien! On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi? Qui c'est qui va nous payer, alors? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Alors, tu vois quelque chose? Non, c'était rien. Hé, hey, les gars! Par ici, venez m'aider! Où ça va? Ça va dehors. Oui, mais dehors où? Fais-moi confiance. Et ton frère? Il aurait déjà dû être là. Désolée. L'enterre pas trop vite.
cela? Il a un casque. Oh, des Vorantis. Quoi? Des Vorantis. Salpêtre et alcool. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. D'accord. Vas-y, vise le casque. Défonce-lui la tête avec une pierre. Allez! Bien fait pour sa trogne. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi? Merde, regarde, il y en a un avec un casque. Tu sais quoi faire. Oui. Moi, je n'hésiterai pas. Tu sais où sont les pierres aiguisées? Dans une des caisses. Mais c'est un bordel sans nom là-dedans. La Cuduc. Je sais. Où est le château d'Ombrage? Par là. Suivez-moi. Oh non, je le savais. Du calme. Mais il y en a partout des pistes ici. C'est un coin à sanglier. Vous voyez la herse s'éclairer là-bas? Le seigneur Nicolas. C'est par là qu'on sort. Bon, Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Hugo, tu surveilles la zone. Tuez les hommes. Pas un bruit. D'accord. Entendu. Il me cherche encore. Ce bruit. Toujours rien. Les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. J'avais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les deux runes. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Merde. Merde, merde, merde. Ellie, je suis... Non. Un truc. Je reviens. Vérifie bien partout, comme on nous a appris. Alors, plus rien? Non, c'est juste des gamins. Je te parie qu'ils se terrent dans un fourré quelque part. Ça fait beaucoup d'hommes pour juste des gamins. Et le grand inquisiteur... On y est presque. La herse s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. On l'appelle pas le moine écarlate pour rien.
Ne restons pas là. Allez,